NRBC pour nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Donc ce sac contient tout ce dont j'ai besoin pour partir en opération sur un terrain NRBC. Je suis le brigadier Ayrton du 2e régiment de dragons et aujourd'hui je vais vous présenter mes sacs d'opération. Donc on va commencer par mon armement. Je suis équipé d'un HK416F canon court. Je suis équipé avec une SMB, un système modulaire balistique qui permet de protéger mon thorax et mes organes vitaux, ainsi qu'un casque Spectra pour protéger ma tête. Et puis nos gants de combat et puis nos chargeurs à l'avant. Donc première protection contre les menaces chimiques, bactériologiques et radiologiques, l'NPVP, l'appareil normal de protection à visière panoramique. Donc le XAM 700, qui est un appareil qui nous permet de savoir si l'air est vicié ou non, pour s'il y a trop de CO2, de monoxyde de carbone, etc. Quand j'entre dans une zone où l'air est vicié et létal, il va émettre un bruit sonore très fort pour me prévenir de sortir. Ici, on a le sac à dos de prélèvement avec tout le nécessaire pour se protéger, détecter et prélever des éléments pour emmener en laboratoire et prouver leur présence sur différents terrains. Donc on peut trouver l'AP4C qui détecte tout type de chimiques de guerre sous forme de vapeur. Des lampes ATEX qui ne sont pas en contact avec l'air ambiant et qui empêchent les explosions. Un Domdor 309 pour détecter les ambiances radiologiques. Donc voilà, c'est le matériel dont on a besoin pour réagir face à une attaque de type NRBC.